Rencontrer des auteurs locaux en allant faire ses courses, c'est ce qu'a proposé le Centre Leclerc de Saint-Vincent-de-Tyrosse à ses clients en organisant son premier salon du livre. Ce salon, en fait, est arrivé d'une impulsion de la personne qui gère le rayon livre chez nous, qui est une véritable passionnée. Et à travers sa passion qu'on retrouve dans son rayon au quotidien, elle nous a sollicité en nous disant de ma passion, j'aimerais transformer en action et puis en réalisation. Elle nous a dit dans les alliances locales de la région, il n'y a pas que de l'alimentaire, il y a aussi des très beaux auteurs et autrices. Elle nous a dit, je les connais et j'ai envie de faire un salon du livre, le premier salon du livre à Tyrosse. Et ça fonctionne, elle a eu un très bon retour et très bon accueil des auteurs de la région. Et donc nous y voilà dans ce premier salon du livre qui s'étale sur 3 jours. Les clients du Leclerc ont donc pu échanger avec des auteurs venus de la région bordelaise, des Landes et du Pays Basque et découvrir leurs ouvrages, BD, livres jeunesse, romances, bien-être et polar. On a voulu mettre en avant les auteurs locaux en fait et puis qu'ils puissent rencontrer les lecteurs, les clients et qu'on puisse apprendre un peu plus des petites pépites qui se cachent dans notre région. Donc là, on a plus d'une vingtaine d'auteurs qui sont présents sur ce salon. Et donc pendant 3 jours, ils vont être dans la galerie commerciale et ils vont présenter du coup leurs ouvrages et se faire une petite image aussi de ce que pensent les gens de leur livre. C'est toujours bien d'être présent dans une galerie marchande où il y a quand même pas mal de passages. Et nous, ça nous fait une ouverture et voilà, ça permet d'être visible parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'opportunités d'être visible dans le secteur, donc c'est toujours bon à prendre, oui. Visible, les auteurs le sont également tout au long de l'année grâce aux dédicaces organisées par le supermarché qui dispose également d'une section auteurs locaux dans son rayon librairie. Notre idée, c'est pas de travailler qu'une seule fois avec eux dans l'année, c'est tout au long de l'année de proposer à nos clients ces livres dans les rayons, de faire revenir les auteurs qui sont déjà venus certaines fois, mais d'une manière isolée. Là, ils sont tous ensemble, mais on les retrouve tout au long de l'année à l'entrée du magasin pour qu'ils rencontrent leurs lecteurs, leurs non-lecteurs aussi, faire découvrir leurs produits. Et nous, toute l'année, on les vend dans nos rayons, bien sûr. En invitant uniquement des auteurs de la région, le Centre Leclerc de Saint-Vincent-de-Tyrosse renforce son ancrage local et confirme l'engouement des lecteurs pour les romans de terroir. Ça prend plus d'ampleur, de plus en plus, effectivement. Au départ, c'était un peu timide. Et plus ça va, plus on en vend. Après, on a aussi de plus en plus d'auteurs qui se sont lancés dedans. Est-ce que c'est un côté, on va dire, un petit peu... le fait que ce soit régional, ça se passe dans notre région. On aime voir où ça se passe. On a aussi cette imagination, on imagine bien le lieu puisqu'on y est. Et du coup, est-ce que c'est ça qui a donné l'engouement? Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, ça monte de plus en plus. Au vu du succès de ce premier salon et de l'enthousiasme des lecteurs pour les romans régionaux, le Centre Leclerc de Saint-Vincent-de-Tyrosse donne rendez-vous à tous ses clients adeptes de la lecture l'an prochain pour une seconde édition et tout au long de l'année pour des dédicaces.